excelentísimo señor presidente de la República de Haití, con vista a la derecha, puerta arriba, ahora. Je salue la présence ici de l'ambassadeur de la Colombie, accrédité en Haïti, mais avec résidence en République dominicaine. Le commandant de ce bateau, notre ambassadeur en République dominicaine, l'équipage de ce navire qui assiste le peuple haïtien en ce moment tragique de notre histoire. Les Haïtiens sont habitués à voir la Colombie dans le football. Aujourd'hui, la Colombie est bien présente. Tu traduis, mon cher ami? Mais le commandant... Le commandant, merci beaucoup pour sa visite et pour l'appui que le peuple et le gouvernement colombien ont donné à nous. En esa situación, él dice que es muy feliz, es un honor para nosotros para estar con ustedes aquí. Cette présence colombienne en Haïti arrive à un moment historique dans l'histoire de notre région. La presencia de usted aquí es muy bien visto porque viene a un momento histórico. Au niveau de notre monde et de Paris, spécialement. Un moment de détresse, mais aussi un moment de joie. C'est un moment difficile et d'allégresse aussi. Un moment de joie d'abord, parce que le peuple colombien vient d'être récompensé par le prix Nobel de la paix octroyé au président Santos pour ses efforts pour ramener la paix en Colombie. A recibido el premio Nobel de la Paz para establecer la paz en su país. Haïti n'était pas présent à Cartagène au moment où cet accord a été signé, mais quelques jours avant, à la tribune même des Nations Unies, j'avais salué cet accord qui a mis fin à 52 années de guerre civile dans ce pays. Nosotros no estábamos presentes a Cartagena por la firma de ese acuerdo, pero en la ONU existieron oportunidades y se pasó para el pueblo de Colombia. Muchísimas gracias. Ce prix accordé au président Santos est destiné à l'ensemble du peuple colombien. El premio que el Nobel que le ha dado al presidente no es para él solo, sino para el pueblo colombiano entero. Moment de détresse, le peuple haïtien, encore une fois, a été frappé par un cyclone dévastateur qui a provoqué des dégâts incommensurables dans la côte sud de notre pays. C'est un moment parce que l'ouragan a affecté beaucoup le sud du pays. Le peuple colombien est en liesse par rapport à cette reconnaissance internationale. Alors
qu'il est en liesse, en joie, il a pensé à ses frères haïtiens qui sont en détresse. Comment qualifier un tel geste? Il ne s'agit pas d'intention, il ne s'agit pas de promesse. Le bateau colombien est bien dans la rade de Port-au-Prince avec à son bord des équipements, des médicaments, de l'eau, tout ce qui est nécessaire pour nous permettre de passer ces moments difficiles. Notre intention, notre promesse, le bateau est acquis pour aider le peuple haïtien dans ce moment difficile. C'est ça, il y aurait les solidarités. Elle n'est pas passive, elle est active. Elle est vivante. Elle est visible. Nos efforts pour apporter les réponses aux attentes de nos compatriotes en termes d'actions urgentes pour apporter l'assistance aux victimes et réhabiliter les infrastructures détruites sont soutenus par la présence de nos amis de la région, particulièrement la Colombie. Donc, peuple haïtien, nous pas seuls. Nous avons un pile d'amis, un pile frère qui est prêt pour aider nous passer ce moment difficile. Ça. Non, non, nous, moi dis à tous merci. Un homme responsable. Moi engagé pour me faire bon usage de ce appui qui nous est apporté. Yo pral utiliser, distribuer dans bénéfice moun ki victime yo. Capitán, mi placer y mis agradecimientos por ser aquí para ayudarme.